Et bonjour à toutes et à tous, c'est Time Lord Farge Pokémon et je suis pas tout seul cette fois, je suis accompagné de Alice de la régie. Voilà. Parce que vous savez évidemment, derrière l'écran, il y a énormément de personnes qui gèrent la régie parce que tout seul c'est trop dur. C'est trop dur à faire tout simplement. Et du coup, ça y est, c'est le grand moment de faire une ouverture. Et vous voyez un petit peu déjà sur le côté quel est un petit peu ce qu'on va ouvrir. Là, il y a du point de fusion, star étincelante, évolution céleste, du VMAX Climax, on a de la box mystère aussi. Et je suis tombé sur quelqu'un qui était sympa. Il m'a dit, écoute, je vais faire un booster en plus. Et du coup, je vais l'ouvrir parce que ça, je vous jure. Vous voyez, j'ai mis un petit bout de scotch et tout, mais de base, genre, il est, comment dire, vraiment ouvert et tout. Et c'est le truc que je regarde, mais depuis maintenant, ça va faire 2 mois à peu près, un truc comme ça. Et j'ai envie de l'ouvrir. Voilà, j'ai envie de l'ouvrir en plus. Je sais que c'est un passionné, donc merci si t'es sur le live d'ailleurs. Bah oui, ça va, on finit en beauté le week-end. Ah, ça, elles sont. Je sais pas dans quelle. Ah, elles sont slivées, ouais. Bah, je sais pas, écoute, on va faire comme ça. Merde. C'est qu'on n'est pas habitué. Corbos. Oh. Elle est magnifique. Ah ouais, Oh, elle est mais belle. la série VMAX Climax, c'est vraiment. Pour que j'en sois au point d'ouvrir une display, elle est. Elle est sublime. Ouais. Elles sont, en plus, c'est déjà slivé, alors. Chifour? Non. Oh! Fulgudog. Elle est belle celle-là. V. Ah, c'est un beau booster, hein, Ah sur les boosters étaient comme ça. Démonos. Elle est magnifique. Alors, lui, j'ai pas Oh, le elle est prénom. jolie. J'ai pas. Eh ben, merci. Merci à toi. Voltorb. Oui, ça, tu reconnais, forcément. Elle est sympa aussi. Elles sont vraiment, mais d'une qualité. Et vous voyez avec les cartes japonaises, les bords, ils sont pas jaunes, dégueulasses comme chez nous. Et c'est des bords brillants, argentés. Ça me paraît logique, mais c'est vrai que. Putain, mais il y en a masse, hein. Je sais pas si t'es dans le chat, du coup. Mais merci. Eh ben, Chifourse, toujours. Non, mais j'ai pas son prénom à lui, mais je crois que c'est. Elles sont. Je Elles sais pas, sont. Elles franchement. sont ouf, franchement. Alors lui, je sais plus le Hé, prénom hey, non plus. Mathéo, on dirait ta tête. Ah, j'avoue. Matt, qu'est-ce que tu fous sur la carte? Je pourrais te prévenir, hein. On va la retourner comme ça. Ah! Gardevoir. Ah. Chope-moi la carte. Celle-là. Alors, celle-là, elle partira en gradation. Laquelle? Je vais me doucher. Je reviens dans genre 30 minutes. Allez, ça marche. La carte gradée, Gardevoir. Voilà, oui. Parce que je collectionne pas les cartes en elles-mêmes, mais je collectionne les cartes gradées directement. Voilà. Ah, mais du coup. Et alors, je sais plus le prénom non plus. C'est ouf quand tu vois. Genre en anglais, je les connais vachement bien. À force de jouer à des Akrouma. Bah écoute, si t'es sur le live ou que tu vois la vidéo, bah franchement, magnifique. Et ça met. Ça fait énormément de temps que j'ai pas ouvert. Hein. Ah ouais. Ça fait 6 mois j'attends et rien qu'un premier booster comme ça, franchement. En plus c'est propre, elle est magnifique. Ouais. C'est un truc. Mewtwo, Oh elle génial. est magnifique, Oh. elle est magnifique et ils ne l'ont pas mis en holo. Ah ouais, elle est Ouais, celle-là, belle. tu peux la suivre. Ouais, Je la suis. franchement, ouais. Bah, je sais qu'il y en a beaucoup, mais elle est. Non mais celle-là, elle est Mais magnifique. quelle. Pourquoi ils l'ont pas mis en brillante? Elle est ouf. C'est Ou elle vraiment une des doit. cartes les plus ouf. Elle doit exister, je pense, mais. Je crois pas. Je crois pas. Et où, vu la chance. Du coup, il y en a 6. Il y en a 6, ok. Et on va faire une petite battle. Feuille à joue. Allez. Alligator en river. Très très Ouais. belle. Alligator, c'est vraiment un de mes Pokémon préférés. Allez. Et allez, allez, allez. Allez. La première V. Bon, c'est sucreux. Moi, j'ai mis 5 secondes de décalage. Bah, tu me diras comment faire, parce que ça me paraît un peu bizarre. Eh bien, écoutez, première V. On y va? Oui, vas-y. C'est bon? T'as Cadre plus bien, cadre bien. la Cadre haine, bien, c'est parce que là, il y a bon? quelque chose. Pyrobut V, voilà, pas mal.
Et au moins, il y a quelque chose. Hein. Au moins, on a des choses. Yes! Ben vas-y, tu peux la mettre sous sleeve. 3 à la fin. Tadmorz. Nixie. Kenotor. Et les techs. Papylord en reverse. Et là, il y a Dracaufeu, ok? Oh, oh, pardon! Sulfura, elle est belle! Elle est magnifique! Oh. Ah ouais! Elle est trop belle! Elle est belle, hein? Mais t'as cru que c'était Dracaufeu? Ouais, c'est pas grave. Non, mais moi, j'en suis à un point que j'ai le moindre truc, je suis grave heureux. Ah non, ouais, après, elle est vraiment belle. Bah ouais. Et... Dracaufeu! Oh putain! Je suis la meilleure! Stylé! Stylé! Rage UV, franchement, elle est... Ah ouais. Mais et stripac de fou! Mais j'ai une chance de malade, moi, t'as vu ça? Ben vas-y. Ça, après, voilà, on ouvre du 25 ans. On ouvre du 25 ans, je vous le dis, obligatoire. Ensuite, on passera à la petite display VMAX. Voilà. Et à la box mystère, le carton mystère, je vous le montre pas parce qu'il est, extrêmement gros. C'est vrai, je m'attendais à un truc tout petit, puis le truc, il est vachement gros. Tu vas te faire un deck sympa, là, je crois. Allez. Le petit mélange. Allez, moi, je le sens bien, ok? Ça, on va arrêter la malchance. Dentifrice. Prison. Illustration est, ah, est sympa. Ouais. Urne de vitalité. L'épidonie. Sans déconner. Monoparle. On en reparle. On en reparlera. On en reparle. Scorplane. Et les techs. Stylé. C'est différent. Ouais, bon. Du coup, la reverse. Moyenne. Et là, c'est le moment où... Eh ben ouais. Oh oui. C'est... Non, non, mais si, elle est ouf. Enfin, elle est ouf. C'est une gold. Donc ça, tu peux mettre sous sleeve. Et sur, regardez, sur 100 top loader, j'ai en utilisé un. Ben, c'est... Non, elle est magnifique, hein, par contre, elle est... Bah, avec plaisir, hein, normal. Hein. J'ai la carte la plus importante du set, donc je peux pas être déçu. Je peux pas être déçu. Après, New Gold... Ah, celle-là... Parce que le truc, c'est que moi, faut que j'envoie des cartes en gradation, quoi. J'ai pas de mélange à faire. Oh... Elles sont toujours très belles. Hein. Zekrom. Elle a chopé Tor Tank. Magnifique. Ah, mais enfin! Mais incroyable! Vas-y, ça c'est le sleeve et. Mais attends, regarde la dernière carte. Ah, il y avait peut-être une manip à faire en fait. Ouah! Pardon. En fait, c'est oui, elle est bien quand même. Celle-là, tu peux la mettre sous sleeve et Tor Tank. Ben super! Dracaufeu Tor Tank. Impeccable, super. J'ai du bol quand là, je tu la sleeve et tu la mets sous... Les deux ? Ou tu veux que t'en non, sous sleeve et ça sleeve et top loader. Ah, okay. Et tu la mets sur le côté. Ah, oui, bah, tu mets le Pikachu aussi. Hein. Allez, 25 ans, c'est un bonheur. C'est un bonheur à ouvrir. Eh bien, ça redonne le sourire un peu. Ça, parce que ça fait quand même combien de temps de... Oui, 1h27. Quand on a fait la pause, on avait fait 1h et quelques. Et on n'a rien du tout. Lequel tu veux sous ton les 25 ans hein. Le Tor Tank. Tor Tank, ok. Vu que j'ai déjà le Dracaufeu. Ah ouais, ça fait plaisir. Oh, franchement. On peut rechercher les 25 ans. Déjà, je te direct, hein, parce que du coup, je n'ouvre pas. Groudon, ou Léviator Obscur. Tu vas pouvoir mettre une sleeve. Magnifique. Hein. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Il y a tellement. Toute l'ouverture a été tellement pourrie. Tu vois. Ah ouais. Et Lunala, ouais, contre. En fait, ah, désolé pour le code. N'hésite pas à le dire, Louis, que si on oublie des codes, des fois on fait pas. Je l'ai déjà. 56 sur 100. Donc il existe que 100 pièces de salon. Elle est. Ben, Jason Page, c'est celui qui a chanté, en fait. Le générique. Il a signé que 100 cartes. Ah, ouvrir du 25 ans, mais c'est un plaisir de fou. Ça redonne le sourire, tu vois.
Bah, j'avais pas déprimé parce que voilà. Mais... Recherche Voilà. pour professoral. Bon, mais c'est pas grave. Et une fois, pas deux, hein. Franchement, en deux boosters. Hein, parce que on va pas se mentir. Bah, je crois que. On va pas se mentir, les tours de drop ils sont éclatés. C'est dommage. Bah, on a fait aucun mélange depuis le début, mais je crois que. Eh ben si, en fait, fallait laisser. Zacian V. Elle est belle, elle est sympa. Ouais. Une petite sleeve. Zekrom, bah après. Bah t'as gagné parce que bah, t'as tort tank, quoi. Et là on va passer aux choses sérieuses. Là, ça passe vite quand même. Ouais, putain. Excusez-moi. Mot qu'il fallait pas dire. Dis quoi? Je vais pas le redire, on va se faire battre. Et là, il reste que du bonheur là. Parce que c'est du Jap. Donc une display Jap. Parce que nous, au niveau des taux de drop et tout, c'est ridicule. Hein. Déjà en France, on n'a pas de stock. Pokémon Company. Par contre. Non mais j'ai pas envie de trop abîmer le truc. Hein. Là, c'est un moment, c'est énorme. Hein. Moi qui ouvre quelque chose, qui ouvre une display, que ce soit japonaise ou déjà française, je ne l'ouvrirai pas, c'est sûr. Mais déjà. La particularité. Comment expliquer? Il existe les displays. Tu peux m'en choper une là-bas? A few moments later. C'est lourd, Donc, ça c'est en français par exemple. Voilà. Un petit soleil et lune, tranquille, j'en ai évidemment plusieurs. Et au Japon, évidemment, parce que c'est pas pareil, ça se présente plus comme ça. Donc, c'est plus petit, il y a moins de cartes et tout, mais c'est moins cher. Et il y a un taux de drop qui est bon. Donc, c'est du plaisir, quoi. C'est beaucoup de plaisir à ouvrir. Voilà, 10 boosters et max climax. Et le taux de drop est excellent. Eh ouais, il était mort. Ouais, je sais, il m'a raconté. Parce que bah, j'ai vu cet après-midi. Trop de trucs de fou. Wow, elle est trop. Ah, mais regardez, ça, c'est du Jap. Voilà, en France, enfin. Oui, Pokémon Company, faut le dire. Ils se foutent de notre gueule en France. Hein. Mais regardez, tout du japonais, c'est un plaisir. Car magnifique. Bah, trainers. Regarde, je suis tellement habitué à ouvrir du français avec des taux où ils se foutent de votre Oh gueule. là là. Vas-y. Magnifique. Oh, elle est Avec trop le belle. dresseur, donc du coup une CHR. Oh là là, elle est Dites-moi magnifique. ceux qui se connaissent un peu plus dans le chat. Je crois que c'est CHR. Elles sont magnifiques. C'est pour ça que je kiffais Max qui va. Mais regarde. Du coup, non. Ouh, encore une. Putain. Wow. Interdiction de me rattraper là. La VMAX, la VMAX Full Art. Elle est magnifique, hein? Putain, il y a encore un truc derrière. Non, mais c'est. Tiens, Sli. Ça là, tu l'as laissé au top loader. Voilà. La VMAX. Ouais. Chifourse. Bah, ça là, du coup, j'ai eu. J'ai déjà eu. Dans le pack. Non, n'oublie pas le doigt dessus. Je ne l'ai pas Ouh, mis dessus, putain, je mais l'ai mis non, sur le fais pas côté. ça. Je l'ai pas mis dessus, je l'ai mis sur les côtés. Regardez, mais regardez le Jap. V maximal, c'est ça pareil. Regarde, tu retournes la carte, regardez bien ça. Attends, il y en a une autre derrière. Oui, vas-y. Mais voilà, avec dresseur, mais Ouais. attendez. On est d'accord que Ouais, quand c'est belle. quand on fait des ouvertures françaises, on se fout de notre gueule. Hein. On se fout de notre gueule au niveau du taux d'eau. Skip celle-là parce qu'elle est trop belle. Ben, je te conseille, si tu veux prendre du Jap, je te conseille le VMAX parce que ça réunit énormément de. Regarde, Ouais. toutes les cartes sont différentes. Allez, putain. Ah, la carte qui vient après est pas mal, hein? Tu te tapes une holo et une V. En français, on n'a rien eu. On n'a rien eu du tout. On a eu Ah. deux V et trois holos. Et là, Là, dans le version même Jap, paquet. quoi. Oh, ouais. Bah, elle est à suivre, garde-moi. Oh, c'est les cartes qui m'a passé, celui qui m'a vendu justement là. Et à sliver les deux, par contre. Et regardez, il y a Mimiki, mon Mimiki! Pokémon préféré. Mimiki! V, Mimiki C'est V. Dieu, Ah. Mimiki! Trop belle, mais elle est magnifique! Mais c'est incroyable, hein, tout ce que tu peux avoir. Oh, elle est belle! Pouah, Électeur de. Non, c'est Électeur de Galar. Oh. Mais c'est monstrueux. Et ça, tu l'as en français, c'est dans Reine de glace.
Non, VMAX, j'en avais qu'une. Soit faut faire exporter, soit bah, faut que je vois sur. Non, mais il n'y a que 4 trucs là, tu peux pas te. C'était à l'envers. Vous voulez qu'on dise de plus devant un truc comme ça, quoi. Bah, tout à mettre sous sleeve. Hein. C'est un peu en gros. Je vais vous montrer en français. C'est un peu ça. Bon, ça, c'est par rapport aux 25 ans français. Où il y a les calcartes qui font. Regarde comment tu. Vous avez vu le taux de drop, donc vous avez vu au niveau des cartes V. Là, il y a 4 cartes V. Putain, ouais, magnifique. Là, j'ai ouvert un truc. On est. C'est des pochons mordes. On est à plus que ce qu'il y a eu sur une bonne vingtaine de. Mais c'est rentable de ouf, cette box. Le petit carapuce. Ben là déjà. Ah oui, j'avais dit, je disais en termes de prix. Je crois que ça, c'est des items, ils sont à 12 euros, un truc comme ça. On en avait vu, non? Ouais, c'est ça. Je crois. À peu près. En termes de cartes, je vais pas vous faire chaque carte non plus. T'as eu une VMAX? Ouais, c'est la. Ouais. C'est une VMAX, mais en gros qui sort assez souvent. Mais une VMAX. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas une seule VMAX sur. Mais rien que là, les. Voilà, un tripax. Un tripax. Mais en vrai, j'en reviens pas, c'est quali de ouf. Les gens, coffret Fulgudog V, eh ben c'est plus que rentable. Hein. C'est plus que rentable, les gens.